Ah bah non, il vous a pas vu toi. Tu as pas vu toi. Qui? Les carreaux. Ah bah si, t'es sur si, le ouais. groupe. Si, ouais, ouais, j'en ai ouais. pris une. Je vais donner des sous. Yann? Oui. Oh putain. Je suis venu pour ça un peu. Oh non. Ils arrivent. Ah. Ouais. Ben alors, moi je peux lui faire passer parce que ma femme et sa femme ils travaillent ensemble. Ouais. C'est mieux encore en 8 heures. Là qu'elle a poussé là. Pas vilaine, non? Ah oui. Quoi? Tu fais le tarif? Ah merde. Ah oui, tu veux lui donner les sous mais tu sais pas le tarif. Tu déconnes, il avait pas mis le prix pour les coccinelles. Ah ben non, pour la cosse il avait pas mis. Il avait dit 40 ou 50 je crois, non? Pour la coccinelle? Ouais, il me semble. Tu es sûr? Putain ouais, mais là ça faut remonter super loin maintenant. Ouais, là, ouais. Ah oui, ouais. Oh les gars. Laquelle, je vous dis 105 euros, mais pardon, à l'envers, 150. Ah. 105 balles, mon pote. Wouh, 105 euros. Hey, tu veux un style hot rod en même temps. Je peux mettre des roues plus grosses, du coup. T'es sûr? Oups. Ouais. Bon. Il coupe ses carrosseries au Dremel. Ah oui, il faut les découper au Dremel, c'est plus facile. Mmh. Je faisais au cutter remarquer plusieurs fois, puis un crack. Mais fais-le au Dremel, tu faisais avec le petit disque là. Ouais. À l'époque, quand j'achetais des carrosseries, c'était pas découpé. On va le faire, ça sera bien mieux. C'est pour ça que je t'ai appelé, je sais que t'en as un Dremel. Ouais.
Pourtant, et après, tu vois, t'as les petites limes là. Avec la petite lime, tu passes dessus. Et ça polie. Oh, sans l'eau, ah ouais. Puis sera peut-être plus. Ah, mais là, comme là, c'est des carrosseries incassables, elles sont plus épaisses avec le ciseau, tu vas galérer. Alex, toi ? Ben, un ciseau, c'est qu'on n'y arrive pas. Ben oui. J'ai essayé, moi, un ciseau. Mais même, tu vois, sur les carreaux incassables, là, elle est plus épaisse, la carreau. Ouais, ouais. Du coup, pour même avec le cutter, combien de fois il faut que tu passes pour le couper ? Ah, il faut passer plusieurs fois. Ouais, alors que tu, ouais. Là, tu fais avec la Dremel, vite. Ouais. Terminé. Tu sais, moins cher. Ah oui, ouais. C'est une idée. Après, tu passes une petite lime sur le bord, tu veux, histoire de faire un chanfrein, que quand, ouais, tu passes ta main, ben, tu te coupes pas, quoi. Ouais. Voilà. C'est tout. Ah, elle claque, franchement, elle est belle. Hein. Ça fait le mois. Ok. Ouais. Elle est belle. Hein. Putain. Je vais jaloux en plus. Je déconne. Qu'est-ce qui arrive ? Ah, mais c'est là où il y avait les photos. Les photos pour le. Connais un David Emiliani chez Transgourmet, un handicapé, il marche bizarre. Tu vois, il a le côté droit qui est un peu handicapé. Ouais, assez maigre, assez grand. Ouais, il est à peu près grand comme ça. Un ouais. Peu. C'est un Italien. Oui, ouais, je vais, bah, il travaille au matin, je crois, lui. Ouais, bah oui, ouais. C'est ça. Il fait partie de ma famille. Ah. Thank you.
Ouais. moi j'étais lycée Condorcet, moi. Derrière le commissariat à Lens. Ouais. Voilà. J'ai ma tante qui travaille, elle travaille. Je crois qu'elle y travaille toujours. Ouais, je sais pas. J'en sais. Non, Béal, pardon. Béal, ouais. Béal, ouais. 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 C'est Béal. D'accord. Elle était CPE là-bas. Elle était CPE. Ouais. Là-bas. Ouais, je sais pas du tout. Ouais, c'est un mec qui a été de Dunkerque. J'ai encore mes deux frères qui habitent là-bas. Il y en a un qui est à... Dunkerque, il y a plein de côtés que je vois. Il y a finalement, ça me manque quand même un peu là-haut. Bah ça va, je m'apprends à habiter les arbres du coup. Oui, vu que je suis plus tranquille là. Entraîne-toi. T'as bien raison. Quand il y aura des voitures, ce sera pas pareil. Ouais. Ouais. Entraîne-toi donc t'es tout seul. Parce que tout à l'heure, je voulais suivre et du coup, je faisais des conneries. C'est parce que tu t'es mis la pression sur ça. Ouais. Ça. Et oui. On n'est pas encore du circuit. C'est ça. Alors, je sais pas si t'as vu, on n'avait qu'un seul sens de rotation. Ouais. On tourne dans l'autre sens. Oui. Tu vois ? Donc habitue-toi à tourner dans le même sens que nous, ouais. Parce que si tu commences à tourner à l'inverse, il va y avoir des catastrophes. Puis tu vas. Voilà. Tu vas prendre le circuit de l'autre côté, le jour où tu vas faire de l'autre, tu vas dire merde, je suis perdu. Ouais, mais regarde, avec Alex, je fais que changer avec Alex. Là, j'ai du mal là. Hein.
pensé, là, au pointeau, ça devait être bien, mais il n'y a pas l'accès pour parking de voiture. Parce que j'avais même amené mon fils à l'auberge de Cassagne, il y avait ouais. Je veux que tu mets les bières dedans. Le cardin qui tient la roue. Bah non, en fait, je crois qu'il a tout niqué. Regarde. T'as pété là. Je sais pas ce qui a pété. Ben en fait c'est tout ta fusée. Le roulement, regarde, déjà il est mort. Le roulement ça c'est la base du roulement. Ben oui. Ouais. Ben ça veut dire que t'as perdu le roulement complet. Ouais. Il est où? Ah non, il est là. Ouais. Là t'en as un et t'as le deuxième, il est là. Ouais. Donc voilà. On va avoir un morceau là-bas qui traîne. Ouais, ben en fait, cherche pas, tu vas pas trouver. Cherche pas. Ben voilà. C'était le saut de trop. C'est ça. Heureusement que t'as pas mis les vitesses, hein. Non, si tu passes en 4S, reste-toi. Non, je suis en 8 là. Ah, t'es en 8 là. Ouais. T'es en 8S là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il y a un gars qui va moins vite. C'est vrai. Ou alors c'est que t'en